bienvenue. On est très honoré de vous retrouver pour cette rencontre. Les derniers préparatifs se terminent en coulisses. On a juste le temps de vous dire un mot sur les conditions de jeu. Il fait bon, la pelouse est parfaite. Espérons donc assister à un grand spectacle aujourd'hui. Les deux équipes ont du talent et vu les messages qu'ils ont fait passer dans la presse et sur les réseaux sociaux, on sait combien ce match compte pour eux. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf, c'est parfait pour ce match. L'OGC Nice a donc évolué en 4-3-3. C'est un système bien adapté au jeu de possession. Les deux ailiers vont sans doute beaucoup courir pour essayer de passer derrière la défense et se démarquer. Ça va permettre au milieu de terrain de jouer long dans le dos de la défense, par exemple. Et plus vous avez d'options, plus c'est difficile de défendre. On est parti pour 90 minutes. Sous les coups de pied arrêtés, par exemple. L'OGC Nice, qui a débuté sa saison par une victoire éclatante, espère bien continuer sur cette lancée. Bonne interception, il y avait danger. Ça va vite, oh, s'il lève la tête. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Danilo Barbosa. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Le gardien loin devant. Aix-la-Chapelle qui peut avancer. Allez. S'il le trouve. Oh, attention. Il peut frapper là. Rony Lopez. Assez mal joué, ballon perdu. Ça joue bien, côté gauche, il faut insister. C'est bien fait, ça. Et le tir. Ah, c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Ah là là, pas de bol. C'est dommage, mais il faut vraiment cadrer à tout prix ce genre de frappe. Oh, le voilà qui accélère encore. Il centre dans... Et la tête. Oh non, sa tête n'est pas cadrée. C'était bien tenté, ils étaient nombreux celui quand même. Pas facile de conserver le ballon. Il tente de la jouer dans l'espace. Il voit sa passe interceptée. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. En la profondeur, bien vu. Bien joué ça. La bonne passe. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Il cherche la profondeur. Ouais, il y avait danger, mais il a bien jailli. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Il peut tirer. La tentative. Et le voilà, le premier but. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque.
Bien, c'est reparti, ça fait 1-0. Il mène au score, maintenant il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Bien, la profondeur. C'est dégagé loin. C'est récupéré. Hernandez. Il y a peut-être un coup à jouer. Mais bon, de la tête! Il était bon ce centre, mais manque d'efficacité à l'arrivée. Il y avait du monde dans la surface là, c'est une belle occasion. Attal qui cherche la profondeur. Le bon dribble. C'est joué dans la profondeur. Ronny Lopez, il a de l'espace. La tête! Retour à la case départ. J'espère que le match va être encore plus ouvert maintenant. Il est monté tout en haut du ciel pour la reprendre celle-là. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête. Le geste était parfait. Et ça repart du rond central, égalité parfaite. Et oui, ils ont manqué de concentration sur ce coup-là. Ils pensaient encore à leur but. Et maintenant, tout est à refaire. Aix-la-Chapelle qui essaye de construire. Benitez qui dégage le ballon. Il se rattrape bien. C'est bien dommage qu'une si longue attaque se termine par une perte de balle. Il a trébuché sur cette intervention. Coup franc pour Nice. Danilo Barbosa, le passeur décisif de son équipe au match précédent. Il cherche son coéquipier. Et le bon dégagement. Un long ballon vers l'avant. Bonne intervention. Ça joue long vers l'avant. Lesmelou. Bon service dans la profondeur. Il cherche la profondeur. Ronny Lopez. Il est bien placé. On ne s'est pas ennuyé. On a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. Un partout, c'est un score qui ménage le suspense pour la seconde période. C'est donc le moment de souffler un peu et de préparer la seconde période. On rappelle le score. Un partout.
Et le coup de sifflet, c'est le début de la seconde période. On a vu les stats et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Allez, ça doit faire but. De Wick à droite. Le gros dégagement. Ça passe, il peut frapper. Et ça finit au fond. Il repasse devant. Il faut dire que dans cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. Je trouve que c'est surtout bien amené. La dernière passe lui a permis de se mettre dans les meilleures conditions pour frapper. Ils ont pris l'avantage, il faut continuer maintenant. Attal. Cyprien. Bonne intervention, c'est récupéré. Il décide d'allonger le jeu. Il allonge le jeu. Ronny Lopez. Cyprien. Schneiderlin. Lesmelou. Et ils essaient de repartir de derrière. Le ballon a franchi la ligne. C'est joué long. La longue passe, il peut en profiter. Et se fait pardonner. Ronny Lopez. Qui choisit le côté gauche. La passe dans la profondeur. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Dans la surface, le tir. Danger repoussé pour le moment. La reprise. Ah, c'est manqué, manqué, il faut cadrer. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. La passe en retrait vers son défenseur. Long ballon dans le sens du jeu. Cyprien qui récupère ce ballon. Il allonge vers l'avant. Le ballon dans la profondeur. Voici un bon centre. Quelle détente! Le timing était bon, le placement était bon, tout était bon, sauf le dernier geste. L'OGC Nice profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, leur action n'est pas brillant non plus. Ils s'en sortent plutôt bien, je dirais. Le jeu s'arrête, le temps de plus. Ballon récupéré, ça peut être dangereux. Quel dribbleur, quel artiste avec le ballon. Ça joue long. Allez, ça peut faire mal. Attention au centre. La parade, magnifique.
L'OGC Nice qui tente de belles choses là. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Indeed, Grégoire, indeed, en effet. Dante, l'OGC Nice qui pratique un jeu relativement simple. Alors c'est vrai que centrer et espérer que son attaquant soit à la retombée, ce n'est pas ultra sophistiqué, mais ça reste quand même très efficace. Mendoza. Quelle passe! La passe est précise. Il tire! Aucun danger pour le gardien. Melou. Il s'impose physiquement dans ce duel. C'est un bon mouvement. Ça va sur l'aile. Attention là. Dégagement le plus loin possible. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Attal, c'est joué long. Allez, plus que quelques instants à tenir. Il concède un coup franc. Carton jaune, oui, c'est logique. Melou, il frappe au but. C'est vraiment dommage, il le manque toujours un petit quelque chose. C'est bien donné. Attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. La longue passe. Ouf, un peu d'air. Les ultimes instants de cette rencontre. Rony Lopez qui a donc offert un but à son coéquipier. C'est joué long. Il a du champ sur le côté. Le ballon dans la profondeur. Et c'est le coup de sifflet final dans un stade qui gronde, qui trépigne. Mais qui a dit que dans le football il n'y avait plus de spectacle? C'est faux. Regardez la preuve, aujourd'hui on s'est régalé sur la pelouse, même si à l'arrivée il n'y a qu'un petit but d'écart. Alors dites-moi, dites-nous Darren, ce que vous avez pensé de ce match. Ils ont encore démontré que le chemin le plus court pour marquer, c'est de passer dans l'axe. Eh oui, mais bon, encore faut-il avoir les joueurs pour le faire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Darren et au revoir à tous. Mais c'est moi qui vous remercie.